Bonsoir! Comment ça va? Attends, attends, attends avant de me dire, je sais que tu as vu sur les côtés, je sais! Ah là là, qu'est-ce que ça fait de bien, mon pote! J'ai pu aller au coiffeur. Oui, après plus de un mois et demi de souffrance. Ah oui, je vous ai pas expliqué, petite anecdote là vite fait. Tu vois, juste avant le confinement, j'avais rendez-vous au coiffeur. En fait, je t'explique comment ça se passe. Il n'y avait pas de confinement encore prévu à ce moment-là. J'appelle mon coiffeur, comme d'habitude, je prends un rendez-vous pour vendredi, t'as capté. La date à laquelle je vais prendre le rendez-vous, ça va être très important, forcément, hein, je t'explique. Alors, quelques jours avant mon rendez-vous, t'as monsieur le président qui décide de nous confiner un jeudi. Voilà, un jeudi soir. Et moi, j'avais rendez-vous au coiffeur. Le vendredi. J'ai essayé d'appeler mon coiffeur, t'sais, histoire de voir s'il n'y a pas moyen de le décaler, t'as capté? Il y avait trop de monde. Ah mais t'as l'impression mon pote, c'était la dernière fois que t'es allé au coiffeur de ta vie, hein. Vu le monde qu'il y avait, je me suis dit non mais laisse tomber, j'y vais pas mon pote. Déjà dans les magasins c'est l'apocalypse, mais alors là quand j'ai vu ça j'ai dit je retournerai plus jamais au coiffeur. Avant vraiment de commencer cette vidéo, je tenais à dire que c'est la première fois sur l'histoire de la chaîne que je tourne une vidéo gaming debout grâce à mon nouveau setup. Bien évidemment j'ai un bureau qui me permet d'aller au premier étage. Super! Et je peux aller aussi au quatrième étage. Par contre, j'ai un peu peur là, il va aller super haut. Par contre, je suis un peu bas, je suis un peu... Ça va vous? Je suis un peu trop haut là. Je vous jure, depuis que j'ai mon nouveau setup, je m'amuse comme un dingue. Aujourd'hui, on va jouer à Dragon Ball Xenoverse 2, mais cette fois-ci... Non, 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 ça sera pas sur PlayStation 4. Non, 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 non plus sur Switch. Non, encore moins sur PC. Ça va être sur PS5. Voilà, hein, vous voyez, je suis bien sur PS5, je suis dans les menus, super, c'est la première fois, je vous dis, hein, que je joue à Xenoverse 2 sur PS5. Xenoverse 2, ça reste le même jeu, etc. Mais voilà, voir un peu ce que ça va donner aussi avec la manette, ça va être très intéressant. Pour ceci, on va faire tout simplement un j'en ai fini avec mon maître, en profiter, parce que c'est vrai que dans Dodoria, c'est pas non plus un maître qui nous intéresse forcément. Donc là, on va rajouter un peu de piment à cet épisode, parce que cette fois-ci, on sera sur PS5. Ah, Senior Freezer, j'ai vraiment hâte, hein, de voir quand même ce que la manette va donner. En game, ce n'est que toi, tu m'affiches une sacrée frousse. Mais ne t'en fais pas pour ça, j'imagine que tu ne reviens pas parce que tu as décidé de devenir mon élève. Bah non, je suis là pour tester ma PS5 en fait. Qu'en dis-tu? Tu seras mon élève, il n'y a pas à réfléchir, hein. Ah bah si, ah bah c'est clair, ah bah c'est clair. Bon, tu es mon élève maintenant, j'ai bien envie de m'occuper de toi. Ce beau gosse de Zarb... va se moquer de moi s'il n'arrive pas à me former correctement une recrue. Après, beau gosse, je crois pas que Zarbonne soit assez beau gosse, hein, surtout quand il se transforme. Alors, voyons comment tu te débrouilles face à moi. Je veux savoir si tu pourras être utile ou non. Attends, c'est pas la Namako, là, mon gars. Eh ben, ouais, non, mais dans tous les épisodes, ils essayent d'humilier mon petit Namako. Mais ils sont malades ou quoi? Initiation avec Doria, mais cette fois-ci, les amis, premier épisode de l'histoire sur PS5. J'ai trop envie de tester ça. Regardez-moi cette manette, regardez-moi cette beauté. Terminer la leçon de l'entraîneur, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah oui, merde, pardon, j'avais oublié. Donc là, on va débloquer le rayon Doria. Bon, allez, on s'en fout de la description, hein, on n'a pas que ça qu'à foutre. Ok, donc il n'y a pas de vibration. Ok, c'est parti. Alors, déjà, la prise en main, hein, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, sur l'ouverture de ma play, la prise en main de la manette est extrêmement bonne. Vraiment extrêmement bonne, je préfère limite déjà la manette de PS5 à la manette de PS4, je rigole pas. Ah merde, j'ai complètement oublié de faire l'attaque de Doria. C'est pas grave, on va pouvoir la faire au prochain combat. On espère quand même que les combats dureront quand même un peu plus longtemps, hein. C'est pas que je t'aime pas Doria mon pote, mais ça va un peu vite là, tu vois. Sois mon maître, voilà, sois mon maître directement. Tu veux t'entraîner un peu plus pour moi? Bien évidemment. Tu sembles bien comprendre à qui tu as affaire. T'as vu, je fais bien les voix off. Le grand Doria va t'expliquer ce qu'est... un combat, d'accord, c'est qu'un combat. Tu es maintenant disciple de Dorian. C'est un peu ce que je voulais. Par contre, ouais, apprends-le-moi, fais-le-moi, mon putain de combat. Moi, j'ai envie de jouer sur PS5, t'as vu? Alors, tu veux faire quoi aujourd'hui? Bah, entraîne-moi, en fait. Bref, donc c'est parti, leçon numéro 1 avec Doria, let's go. Attends, par contre, il y avait le rayon de Dorian, on va regarder ce que c'est. Ah oui, ok, d'accord, ouais, bon, en même temps, bon, je pense qu'on la connaît tous, cette technique. Attends. Ouais, mais on peut pas voir si elle fait vraiment si mal que ça. Est-ce qu'elle prend juste... ouais, elle prend juste une barre de ki. Ok, il est KO. Ça va être contre Doria que ça va être plus sympathique. Oh oui, dans un enchaînement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Elle est pas compliquée à caler et puis... attends, ah oui, merde, j'ai pas de ki en fait. Ah, si, j'ai... ah, j'ai les vibrations. Ça fait bizarre, j'avais retiré les vibrations sur... sur PS4. J'ai sur PS5, bah non, du coup. Et c'est vrai que, franchement, je vous jure, sur PS5, c'est vraiment incroyable. Même la qualité, je ressens malgré tout, hein, je tiens à le dire, je ressens une petite différence
Par rapport à la fluidité du jeu. Alors je sais pas si c'est parce que, je sais pas, peut-être que j'ai une version PS4 Pro, je sais pas si elle était sortie d'ici là, ça m'étonnerait. Je crois pas que la PS4 Pro existait, mais la fluidité au niveau des 60 FPS, je la ressens beaucoup mieux que sur PS4. Après c'est peut-être aussi dû aussi à l'écran, hein, parce que j'ai changé d'écran. Doria, tiens, regarde, hop, je te fais ta petite technique, mon pote, je t'enchaîne direct, Namako, bim bim, ça part. Voilà. Depuis tout à l'heure, je joue, attends, je suis en train de... J'étais en train de jouer sans son. Le mec, je vous fais une vidéo gaming. J'ai pas mon casque. Non mais c'est incroyable. Franchement, je suis incroyable. Oui, j'adore. Je m'adore moi-même. C'est super. De toute façon, c'est important de s'adorer soi-même. C'est une première de l'histoire aussi celle-là. Je pense que vous l'avez pas vu. C'était quoi la nouvelle technique? J'ai pas vu du coup. Merde. L'attaque spéciale. À mon avis, ça doit être. Attends. Hypercut. Merde. Attends. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, je me suis focus sur la première technique, mais il m'en a donné une autre. Ah, donc, du coup, hypercute. Ah mais ok. Ça prend une barre de ki aussi. Oh putain, non mais quel con, je vous jure, je suis vraiment abruti. Allez hop, ça part mon pote. Hypercute dans la gueule. Doria, moi je t'aime bien frérot, je t'aime bien. Depuis que je suis sur PS5, je suis devenu beaucoup plus chaud. Vous voulez me prendre un V1? Venez, ouais, je vous vois dans les commentaires. DBT guest, DBT à chier, viens mon gars, viens. Maintenant j'ai la PS5 moi. Tout sur PS4, je vais vous détruire. De corps à corps, voilà. Par rapport à l'uppercut, forcément, un uppercut c'est... Non, c'est un kick-up, tu sais. Tu mets un uppercut, mais en fait c'est t'envoies de l'énergie en même temps. C'est direct mon pote, je t'explique que j'invente les nouvelles règles. Oh, regarde-moi ça, il est sur PS5. Le mec il pense à moi. Peut-être que la prochaine fois je te ferai venir le commando Ginyu. Ah bah peut-être que ça fera un petit peu plus de niveau, t'as capté. Je vais continuer à te rendre plus fort, d'accord. Et puis en plus... Je n'aurais même pas à bouger le petit doigt. J'adore faire la voix off. Franchement, c'est ma cam, c'est mon délire, ça. Ce Zarbonne, SI. J'allais faire venir le commando Ginyu pour qu'il s'entraîne avec toi. Il est pas sérieux, là, Doria. Là. Franchement, j'ai une autre image de toi, maintenant. Hein. Vu comment tu parles de Zarbonne, mon gars, Mais regarde. Va donc organiser tes entraînements spéciaux tout seul, beau gosse. Doria, mon pote, il va falloir qu'on parle tous les deux. Entraîne-moi, frérot, là, il commence à me saouler avec ses petits... Je sais pas ce qu'il me raconte, là, Doria, il a fumé un spliff avant l'épisode ou quoi. Coup de tête de Doria. Ok, c'est parti, du coup, pour la leçon numéro 2. On va apprendre à faire des gros coups de boule à la Zizou, mon gars. Mais version Doria, t'as capté. Let's go. Du coup, j'ai pas vu, il y a que Doria à battre. Hop, petit uppercut. Ah non, merde. Merde, ils ont changé les touches. Hop, uppercut dans la gueule. Ah ouais, pas mal. Et on enchaîne sur un coup de boule. Oh lolo, hey, Namako, ça y est, avec Doria, mon gars, ça va devenir un vrai guerrier. Voilà, mon gars, tu vas faire quoi, Doria? Bam! Merde, j'ai voulu t'enchaîner sur un gros hypercute dans ta gueule. Merde, hop, coup de boule. Voilà, direct ça part, frérot, ça part. J'ai hâte quand même de voir la leçon finale, voir ce qu'il va nous donner. Et surtout, contre qui on va se battre? Forcément Doria, mais est-ce qu'il va vraiment ramener Ginyu, tout ça? Si toi et moi, on s'associe, on ferait redescendre Zarbonne de ses grands chevaux et on pourrait l'expulser de sa position. Et les forces de Freezer seraient à nous. Ah oui, d'accord. Donc son plan, il reste quand même de prendre la place à Freezer. Continue comme ça va être super. Si tu réussis à survivre, tu seras vraiment bien placé. Tu pourras choisir ton poste dans les forces de Freezer. Ouais, non, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Forcément, entraîne-moi. Allez, c'est parti, les amis. Leçon numéro 3, terminé. Leçon d'entraîneur, bien évidemment. Oh! Attends, parce que là, on a toute l'armée, là, contre nous. Ouais, doucement. Ok. Propulsion de Doria, on va voir si elle fait, si elle est efficace. Ok, ça part. Rikoum, viens là Rikoum. Ah non mais attends, je vais enlever les dents à Rikoum encore. Il est où? Je lui casse encore ses dents lui. Ok, let's go. Oh c'est long. Par contre, ah oui, ok, je connais cette attaque. Let's go. Ah oui, c'est long mais quand tu... Stop, Namako, ça y est, il est énervé, il est ZRF mon pote. Hop, c'est parti Guldo. Par contre, mon gars, incroyable, hein. Si t'arrives à la caler, celle-là, imagine lors d'un DB game, admettons. Tu vois, un DB game spécial Xenoverse 3. Ils remettent cette technique, t'as capté? Le mec, il commence à se faire des rêves un petit peu, tu vois. Hop, uppercut dans la gueule, coup de boule. Oh là, ça y est, je vous dis, on va devenir catcheur grâce à Doria. Je vais t'apprendre ce qu'il m'a appris, Doria. Moi, je suis juste un catcheur, maintenant. Attends, merde. Attends, regarde. Bam, uppercut dans la gueule, coup de boule. Ça part, direct ça part. Charge d'énergie. Pourquoi il a fait ça? T'as vu ma grosse tête? Ah merde! Je voulais le 20 avec.
Ah merde, attends, peut-être qu'il va venir, Doria. Attends, je crois qu'on l'a pas encore tué, Doria. On l'a tué? Voilà, viens là, mon petit Doria, je vais t'apprendre ton attaque. Moi, je vais te la refaire, je vais te la refabriquer directement. Oh putain. Bim, bim. Ça part, frérot. Hop. Oh merde, j'ai voulu tenter l'uppercut. Voilà, encore. Let's go. Bam. Attends, je vais la caler. Ouais, c'est long, c'est long. Heureusement que c'est des bots. Mais ça touche. Mais ça touche. Le mec il s'excite à mort. Let's go. En vrai elle est pas mal, mais elle est très longue. Par contre je me demande sur un stamina break, quelqu'un qui a quand même pas mal d'endurance, t'imagines, tu le stamina, il y a peut-être possibilité quand même de faire très mal, je pense. Incroyable, tu as acquis une sacrée force. Ça y est, tu as fini, ton entraînement est terminé maintenant. Tu peux continuer, pardon, de ton côté, compris? Donc voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo découverte de Xenoverse 2 sur PS5. Je ressens quand même beaucoup plus de fluidité sur PS5. Alors je me demande s'ils vont vraiment faire la version PS5, c'est-à-dire encore plus poussée. Logiquement, ça devait être le cas, il me semble. Donc les premières impressions que j'ai avec la manette, par contre, elles sont très très bonnes. Je vous dis, la manette c'est incroyable. Si un jour vous avez l'occasion de tester la PS5, si vous ne l'avez pas encore, ou si vous l'avez directement, dites-moi si vous avez le même ressenti que moi. Mais je vous assure que je kiffe énormément la manette de PS5. Bref, sur ce, je vous laisse. Et moi je vous envoie au premier étage. Moi je me casse, hein. Super, j'adore mon setup. Franchement je l'adore. Il est super. Moi j'adore, ça c'est de la régalade.